Là, on va apprendre à débloquer la CNCO. Donc, j'ai commencé le travail avec un fil dentaire. Maintenant, elle est débloquée. Ça reste bloqué, reste jusqu'à là, et impossible à ouvrir. Donc, je vais passer le fil dentaire ici. Et vous allez entendre et normalement un peu de café va sortir. Donc voilà, c'est tout simple. Fil dentaire, je répète, fil dentaire, on le met ici et on le passe entre le joint et le capot. Et dès que vous entendez, ça va faire un petit et du café va sortir. Donc c'est bon, c'est ouvert. Voilà. Le problème de cette machine, elle était bloquée. Pour la débloquer, j'ai utilisé, comme je vous ai montré dans la vidéo, du fil dentaire. Je l'ai passé ici, ça l'a débloqué. La machine, en fait, quand on mettait de l'eau et qu'on le mettait ici en pression, du coup, il n'y avait pas de café qui sort. On va prendre ça et on va le déboucher ici. Parce que là, c'est bouché. Allez, à tout à l'heure. Ça a l'air bien obturé. On prend une petite épingle comme ça. Et on gratte ici. Ça a l'air bien obturé. Ça n'a pas l'air assez bien obturé. On va le déboucher petit à petit. J'ai nettoyé avec de l'eau et la petite épingle. Après, cette pièce, elle peut être remplacée, elle peut être enlevée ici. Là. Elle peut être remplacée directement. Ben, c'est juste pour vous montrer comment on la débouche, comment on peut la faire fonctionner en 2 minutes. Quoi. Voilà, pour dépanner au moins. On va l'essayer en direct, je vais vous montrer. Là, on va mettre la dosette. On ferme. Ici pour étancher et on va attendre. Et voilà. Café tout chaud.